Baruch HaShem, Toda Rabba Borei Olam, ce matin, on a eu un petit déjeuner. Comment on peut nommer ce petit déjeuner? On a eu un petit déjeuner. Hein? Le mot petit, il nous irrite, parce qu'il était monstrueux, mais on l'appelle petit déjeuner. Baruch HaShem, pris une belle prière ce matin, Adora Geoula, fin août, ça y est, les vacances, je crois que les touristes sont repartis. Et c'est un peu plus calme. Et nous, on se prépare, Olivier, on se prépare au mois de Elul, qui va arriver bientôt. Baruch HaShem, tout va bien. J'accueille nos amis sur les réseaux sociaux. Restez avec nous ce matin, parce que ça va déménager. Alors, je voudrais vous dire une chose. Il y a en hébreu un mot moderne qui s'appelle Hervé, Mudaout Atzmit. Si je traduis le terme de Mudaout Atzmit, veut dire une connaissance de soi. Mais moi, je voudrais aller plus loin que le mot connaissance de soi. Je voudrais donner un deuxième nom à ce terme, Mudaout Atzmit. Quand tu te connais, quand tu es conscient de tes valeurs, quand tu es conscient de qui tu es, ceux qui n'ont pas de force dans la vie aujourd'hui, ce sont ceux qui n'ont pas cette conscience de qui ils sont, des qualités qu'ils ont, des valeurs qu'ils ont. Tu vois des personnes, tu les vois, ils ont honte, ils sont éteints, ils ont peur de la vie. Ils ne savent pas qu'ils ont des qualités énormes. Cette méconnaissance des qualités d'une personne fait qu'une personne va manquer une partie fondamentale de sa vie, qui s'appelle l'épanouissement. Tu sais à partir de quel moment tu es épanoui? Quand tu vis, tu sais quand est-ce qu'il te manque de l'épanouissement? Quand tu vis avec un bagage, que dans ta tête tu te dis, je ne sais pas si je suis quelqu'un de bien, je ne sais pas si j'ai des valeurs, je ne sais pas si j'ai des qualités, je ne sais pas si vraiment je suis quelqu'un de bien, je ne sais pas. D'ailleurs, on ne me l'a jamais dit. Mieux que ça, il y a des personnes qui te diront, on m'a toujours écrasé dans ma vie, on m'a toujours rabaissé, et je n'ai pas de force. Et je voudrais donner ce matin les lettres de noblesse à ce qu'on appelle, à nous qui sommes-nous, à travers un mot de la paracha de cette semaine. Dans le chapitre 14 de la paracha de Ré'é que nous allons lire ce Shabbat. Dieu dit au béni Israël, Banim atem la donai Elohechem. Écoutez-moi ce mot, il est énorme. Banim. Quelqu'un va te dire, ah, t'es le fils de Dieu, t'es le fils de Dieu. Ah, tu te prends pour le fils de Dieu, là. Dis-moi, tu crois que t'es qui, là, toi, pour être le fils de Dieu? Dieu, il dit, Banim. Banim, je traduis les mots. Vous êtes des enfants de l'Éternel. Banim atem la donai Elohechem. Richard, tu peux comprendre cette chose-là? On est les enfants de Dieu. Toi, tu te dis, je suis seul, je suis dans mon problème, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais m'en sortir? Dis-toi une chose, tu as un papa, et ce papa attend de toi qu'une chose, que tu l'appelles. Ah bon, c'est mon père? Où c'est marqué que c'est mon père? Banim atem la donai Elohechem. Vous êtes des enfants de l'Éternel. Sur ça, d'ailleurs, sur ça, le Talmud, dans Maseret Kiddushin, Daf Lamed Vav 36, il ramène ce verset. Bani matem lachem elokechem. Nos sages se sont assis, ils ont dit on va étudier ce verset. On est les enfants de Dieu. Ah bon? Rabbi Yehuda, qui était quelqu'un de très intransigeant, a dit Bizman shatem nohagim min hagbanim, atem nikraim banim. Si vous avez une conduite de fils, alors vous êtes appelés des fils. En atem nohagim min hagbanim, si vous n'avez pas une conduite de fils vis-à-vis d'un père, si vous avez oublié Dieu, si vous vous êtes éloigné de Dieu, alors vous n'êtes pas considéré des fils. Ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir Baalanes. Vous avez connu Rabbi Meir Baalanes à Tibériade? Pourquoi vous allez chez lui? Vous savez pourquoi vous allez chez lui? Pour ça. Juste pour ce verset qu'il a dit. Ben kach ou ben kach. Ben kach ou ben kach. Rabbi Meir, il est venu contrer Rabbi Yehuda. Et il dit, ben kach ou ben kach. Dans les deux cas.
dans le cas où tu te conduis comme un fils, dans le cas où tu ne te conduis pas comme un fils. Atem keruim banim. Vous êtes appelés les enfants de Dieu. Maintenant, tu écoutes ça, tu te dis quoi? Je ne suis pas très religieux, je ne fais pas grand-chose. Est-ce que je peux, moi, évoquer le nom de Dieu? Est-ce que je peux l'appeler? Est-ce que je peux lui parler? Ouais, je sais pas. Parce que pour lui parler, il faudrait peut-être que je sois un grand religieux. Rabbi Meiri te dit, Benkar ou Benkar, dans n'importe quelle situation, tu es appelé le fils de Dieu. Allez, commence déjà dans ta tête à voir quelque chose qui bouge. Tu es le fils de Dieu. Le Rav Eliyahu Lopian, il dit, vous savez ce que ça veut dire être fils de quelqu'un? Fils de quelqu'un, c'est tu. C'est, écoute, non, non, mais fils de quelqu'un, c'est une connexion qui te dépasse. Écoute-moi bien, Eric, quand on dit... Eric, toi tu crois que tu as... Olivier. T'as vu ça, Olivier? T'as vu, Olivier? Voilà, Chazak ou Baruch, quoi la kavod. Il dit, le Rav Eliyahu Lopian, vous devez comprendre que quand il y a un lien entre un père et un fils, il est métaphysique. C'est un lien qui dépasse l'entendement. Le lien, je répète, quand on te dit tu as un lien, tu es le fils de Dieu, bon ben oui, ok, je suis le fils de Dieu. Il te dit, ça dépasse l'entendement, être le fils de quelqu'un. Il dit, Rav Eliyahu Lopian, que au moment de l'Inquisition, oui, il ramène une petite histoire. Mais il dit, regardez, Rav Eliyahu Lopian ne ramenait pas des histoires. Il te dit, cette histoire va te démontrer que ça veut dire le lien que tu as avec Dieu, parce que Dieu est ton père et toi tu es son fils. Il ramène qu'au moment de l'Inquisition, en Espagne, il y avait des enfants juifs qui avaient été kidnappés et qui avaient grandi dans des familles espagnoles, chrétiennes de l'époque, au moment de l'Inquisition. L'un de ces enfants est devenu le juge suprême de la cour d'Espagne. Et il signait malheureusement les arrêts sur les juifs, les décrets de mort sur les juifs. Bon, il n'avait plus rien de juif. Il a vécu au sein de l'église, il n'avait plus rien de juif. Et voilà qu'un jour, on lui a amené un décret de signature de mort sur une famille. Apparemment, ils avaient été attrapés en train de continuer à faire leur judaïsme. Et il va pour signer, et il n'arrive pas à signer. Il s'arrête. Il relit le décret, et il dit, ok, bon, je vais signer. Il dit, non, je ne peux pas signer. Et il a pris la plume pour signer, et il n'arrivait pas à écrire. Il essaye d'écrire, il n'arrive pas. Quand il a vu que cela se répétait, il a compris qu'il y avait un problème. Il a demandé à ce qu'on amène les accusés, qu'on amène l'accusé devant lui. Quand ils l'ont amené, il a demandé à tout le monde de sortir de la chambre et de rester avec l'accusé. Il a dit, c'est pas possible, il y a un truc qui ne va pas. Et il discute avec lui, il pose des questions, et il se rend compte que la personne qui est en face de lui, c'est son père. Il dit, Rav Eliyahu Lopian, vous ne comprenez pas, son âme... L'âme d'une personne qui est la personne. Toi, t'es pas, toi, c'est pas un corps. Ton corps, c'est une enveloppe. Toi, c'est ton âme. Faut que tu comprennes une idée. Toi, c'est ton âme. Maintenant, si ton âme, elle est en bonne santé, tu seras le plus fort du monde. Si ton âme, elle est en mauvaise santé, tu seras très malade. Parce que ton corps, c'est rien. Il y a des gens de 2 mètres. J'ai connu des gens d'un mètre 90. Tout pliés. Ils font rien de leur vie. Un corps 120 kilos. Tu te dis, mon Dieu, si j'avais cette puissance et cette force-là, comment j'aurais été? Rasvé Shalom, Eric, t'es en bonne santé, toi. Il dit, Rav Eliyahu Lopian, la connexion de l'âme de ce juge avec son père, c'était pas possible, il a pas réussi. Hein. Il s'est rendu compte que c'était son père. Il dit, quand j'ai entendu ça, il dit, Rav Eliyahu Lopian, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai compris. Quoi? Quand il est écrit que Vaipar Be'apav Nishmat Chaim, Dieu a insufflé dans l'être humain un souffle de vie. Et le Talmud dit, qu'est-ce qu'il a insufflé? Dieu a insufflé un souffle de vie. Qu'est-ce qu'il a insufflé à l'intérieur de nous? Hervé, il a insufflé un bébé quand il naît, Dieu lui insuffle à l'intérieur de lui un souffle de vie. C'est quoi un souffle de vie? Mandenapach, le Talmud dit.
Le Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva. Mandenapar, ce qu'il a insufflé, Medile Napar. Il a insufflé une partie de lui. Traduction des mots, quand un bébé il arrive dans ce monde, tu sais qu'est-ce que Dieu insuffle à l'intérieur de lui? Une partie de lui. On appelle ça chez nous comment? La Neshama. En français, l'âme. Mais c'est l'âme, c'est... L'âme. L'âme, une partie divine. Une petite partie divine qui est... Ça fait peur. Une partie divine. Traduction des mots. Toi, juif, je vais te dire un truc. Tu pourras jamais te déconnecter. Tu pourras jamais te déconnecter de ton père. Même si on veut te déconnecter de ton père, tu ne pourras pas te déconnecter de ton père. Et si on essaie de te déconnecter de ton père, en vérité, tu seras très malade. Parce que tu sais de quoi tu vis. Tu sais de quoi tu vis. Tu vis de cette connexion avec ton père. Et il termine et dit que quand un être humain décide de reprendre contact avec la source de son âme, tu sais pourquoi tu rencontres beaucoup de juifs malades. Quand je dis malade, c'est pas malade physiquement, pas malade dans leur enveloppe, malade dans leur âme. Quand un homme ou une femme à un certain âge a une obligation de faire quoi? Il a une obligation d'une chose. N'importe quel homme et n'importe quelle femme, ils ont une obligation d'avoir une connexion avec Dieu. Parce que je t'explique un truc. Tu n'as pas cette connexion avec Dieu? Ton âme, elle a besoin de cette connexion. Mais comme elle n'a pas cette connexion avec qui? Avec ton père. Bani matem lachem elokechem. Pour que tu comprennes une chose, que tu essayes d'y échapper à cette relation et tu seras toujours malade parce que tu as besoin de cette relation. Et pourquoi? Vous allez le voir tout de suite. Ça ne va pas être long. Il ramène ici le Rav Yigal Cohen. Il dit, regardez, Bémet. Regardez. Il dit, le Rav, cette victimisation de nous-mêmes, cette victimisation de nos vies, est une chose dramatique. On se victimise. Il explique, il dit, Anashim Rabim, si je ne comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire être le fils de son père? Le fils de son père? De quel père? Il dit, Anashim Rabim, beaucoup de personnes, mais Urzavim, ils sont déçus de ce que Dieu leur a donné. Pourquoi ils n'ont pas l'argent de l'autre? Pourquoi ils n'ont pas la maison de l'autre? Pourquoi ils n'ont pas les qualités physiques et morales de l'autre? Imazman, mais avec le temps, tu sais qu'est-ce qui se passe? Avec le temps, Zegorem Laem Choser Bitachon Atzmi. Et rêvez, je vais te dire un truc. Si tu es convaincu que le but que tu dois faire dans ce monde est exactement donné à ton corps, tu n'as jamais ce qu'on appelle Choser Bitachon Atzmi, ce manque de, comment on appelle ça, d'assurance. Tu sais pourquoi? Parce que ce que tu es convaincu que ce que tu es, c'est ce que tu dois être. Moi, un jour j'ai dit à quelqu'un, jamais Dieu me donnera de l'argent. Parce que s'il me donne de l'argent, peut-être que je vais arrêter de travailler ou je vais arrêter de donner mes cours de Torah, je vais être tranquille. Dieu ne me donne pas de l'argent pour que je reste dans ce chemin. Tu comprends ou non? Si Dieu m'avait donné 10 millions, 50 millions, il y a 20 ans, 30 ans, où je serais aujourd'hui? À Ibiza, je ne sais pas où. Hein? Oh, j'y vais tranquille dans mes quatre murs à moi, tranquille. On est d'accord ou non? Alors il te dit, ce sentiment d'avoir raté des choses de la vie, Eric, ce sentiment d'avoir raté, j'aurais dû être riche, j'aurais dû être grand, j'aurais dû être beau, t'amènera qu'à une chose. Tu sais laquelle? Tu te lèves un bon matin et tu te dis, j'ai plus aucune assurance de moi-même. Je me sens dégradé parce que j'aurais dû avoir ça, je n'ai pas ça. Non, je suis vraiment en bas. Roser Aratsmit. Combien de personnes qui me disent, j'ai pas de qualité. Je suis pas quelqu'un qui a des qualités. Et moi, je voudrais lui dire, mais tu te rends pas compte? C'est monstrueux ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que Dieu t'a amené dans ce monde pour rien. J'ai pas de qualité. Velefamim, il te dit, et cela amène tout doucement beaucoup d'hommes et de femmes à avoir une haine de soi-même. Une haine. Il y a des gens qui ne s'aiment pas. Ils ne s'aiment pas.
D'ailleurs, j'ai connu des personnes, Eric, ils sont transparents. Ils sont transparents. Il est transparent. C'est pourquoi il a tellement honte. Il est tellement rempli d'idées qu'il ne vaut rien. Il est tellement rempli d'idées qu'il a été une victime de la vie et qu'il ne vaut rien. Il se cache. Il y a des gens que tu vois, tu te dis, c'est bizarre, je l'ai vu. Je ne sais même pas c'est qui. Et tu traînes dans toutes tes épaules ce sentiment, cette idée, vous allez voir qu'elle est fausse. Que, en vérité, j'ai pas eu de chance dans ma vie. J'ai pas eu de chance dans ma vie. J'ai souffert beaucoup dans ma vie. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, je peux pas me demander d'être quelqu'un d'épanoui. Je peux pas être épanoui. Il y a des gens qui ont souffert avec des parents. Moi, je voudrais leur dire, vous avez souffert avec des parents. Vous allez voir pourquoi vous avez souffert avec des parents. Mais c'est pas de votre faute. Ne mettez pas ça sur vos épaules. Libérez-vous de votre passé, comme je l'ai dit hier. Libérez-vous de votre passé. Il te dit, il y a des milliers de personnes, ils ne s'aiment pas soi-même. Il dit, il y a beaucoup de personnes qui ont cette pensée qui leur traverse l'esprit de temps en temps. Si j'avais été grande taille, là je suis petit. Si j'avais été beaucoup plus beau, si j'avais un physique avenant, et si j'étais maigre, pourquoi je mange, Richard, pourquoi je mange rien et je grossis? Et l'autre là-bas, elle n'arrête pas de manger du matin jusqu'au soir, j'ai fait au bon Dieu. Si j'avais eu son métabolisme, j'aurais été beaucoup, ben oui, mais Dieu, hé, Hachem, ne me dis pas que tu m'as gâté, hein. Wallo. Alors il dit, et ça arrête nous. D'abord il te dit, écoute-moi bien, tu sais qu'il y a plusieurs centaines d'années, tous ces problèmes physiques, parce que là il parle pour l'instant des problèmes physiques, tous les problèmes physiques que nous avons aujourd'hui sur nous et qu'on a un manque d'assurance sur nous-mêmes, il te dit, tous ces problèmes physiques, il y a 100, 200 ans n'existaient pas, pour la simple raison, c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde de la communication, du paraître. Du paraître. Ils n'étaient pas plus heureux. Non, non. Aujourd'hui, un iPhone, un smartphone te gère ta vie. Elle est belle. J'étais dans une roupa hier. Je regardais les garçons et les filles. Maintenant, c'est devenu une mode. Ils ne regardent pas ce qui se passe là, ils sont là comme ça. Ils sont comme ça. Avec leur téléphone. Olivier, pose ton téléphone avant que je te... Pose ton téléphone! Ils ont raison ce qu'ils disent. Ils disent, aujourd'hui on a des commandants en chef qui nous gèrent notre vie. Ce sont des abrutis qui sont sur les réseaux. Et qui t'envoie des images, et qui a des Photoshop, et qui t'envoie des trucs et des machins, et qui te disent, c'est ça la vie. Je suis rentré hier dans une roupa, j'ai eu envie de pleurer. La belle famille, des gens que je connais. Je suis parti à une roupa, et les gens de la belle famille, ils ont imposé que le frère du Khatan rentre avec son copain, main dans la main dans la roupa. Moi, j'ai rien contre eux. Chacun, il fait sa vie. Tu m'imposes ta vie. Et c'est devenu normal. Et normal. Pourquoi? Parce que tu ouvres les réseaux sociaux. Le 80% de ces malades qui gèrent ces réseaux sociaux et qui publient sont des personnes dans cette situation. Maintenant, toi, tu te dis une chose. Hein. En rentrant, j'ai prié à Dieu que Dieu ne me donne jamais. Ce genre d'épreuve dans ma vie. C'est pas un monde, ça. Mon frère est rentré avec un garçon à la roupa. Bien devant tout le monde. Il y avait des gens religieux. Pourquoi? Attends une seconde. Tu veux vivre ta vie, mais va la vivre. Mais pourquoi t'imposes ta vie à nous? Est-ce que moi je rentre chez toi à la maison pour te placer des mezouzot dans tous les coins de la maison et t'amener des livres de Torah? Non. Qu'est-ce que tu me fais alors? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu es dans une intrusion dans ma vie? Moi, je ne suis pas dans une intrusion de ta vie. Pourquoi tu me fais ça? Voilà le monde où on vit. Et il dit le Rav. Et il dit, ah voilà. Alors, Hervé, la phrase bateau.
La phrase bateau. Ah ben, vous savez pas, monsieur, c'est là. Ben, on vit dans un monde moderne, c'est comme ça. Faut se mettre à la page. Voilà, voilà les mots qu'on entend. C'est-à-dire que demain tu perds tes enfants, tu perds tes petits-enfants, c'est pas grave. Mais c'est un monde... Ah ben vous savez, monsieur le rabbin, je crois que vous n'êtes pas au courant que le monde a changé. Le monde, il n'a pas changé. Le monde est devenu très malade. Très malade. C'est comme si que demain... Samuel, c'est comme si que demain, il n'y a plus un monde de personnes en bonne santé. On construit le monde entier en forme d'hôpital. Et toi, tu dis, mais je ne comprends pas, j'ai pas besoin d'un hôpital. On te dit, monsieur, on est dans un monde moderne. C'est que tous les gens doivent être sur des lits d'hôpitaux. Tu acceptes ça? T'acceptes ça? Non. Il dit, première chose, c'est ces réseaux qui ont rendu que... Eh, tu sais qu'est-ce qu'ils ont rendu ces réseaux? Qu'une fille qui fait pas un 36, 1m80, tour de taille, tour de poitrine, j'en sais rien quoi. Elle a plus de chance de se marier, j'ai envie de pleurer. C'est quoi ce monde pourri qu'on appelle aujourd'hui monde moderne? Vous êtes tous victimes de ce monde moderne. Et il dit le rave. Et pourtant, c'est pas les mensurations d'une fille qui ont fait le bonheur d'un mari. C'est les qualités humaines de ses filles. On voit même plus les qualités humaines des filles. On voit même plus les qualités humaines d'un garçon. Ce qui compte chez le garçon, c'est sa bagnole, sa situation, son fric, comment il va me donner à manger, est-ce qu'il va m'emmener en vacances tout le temps, et est-ce qu'il va m'acheter le plus gros solitaire du monde. Voilà. Et qu'il soit beau, et qu'il soit beau. Le reste, c'est un abruti fini, un voleur, un âne, qui va pas te respecter. C'est pas grave. L'essentiel, c'est le paraître. Le paraître, il nous a tués. Et il dit le rave. Sachez une chose, hein, que une grande partie de cette maladie qui fait que on n'a plus de ce qu'on appelle bitachon atzmi. Comment on dit bitachon atzmi? Confiance en soi. Tu sais de quoi ça vient? Ça vient malheureusement, c'est que vous les jeunes aujourd'hui, vous êtes les premiers qui allez payer, mais très cher, de ces réseaux et de cette chose-là. Et il continue, il dit: Aferad mitanu en lo siba lirtsot liot bimkomo shel adam acher. En vérité, si tu rentres dans la emuna, là, le Emouna qui vient du mot le Emet. Si tu rentres dans le Emet, ve Emouna, que quoi? Que, en vérité, il n'y a aucun être humain dans ce monde qui devrait envier l'autre et la vie de l'autre. Pourquoi? Ah bon? Ah bon, c'est facile de le dire. Pourquoi? Il dit, mais kol echad mitanu ish dvarim tovim, she'en le af echad ba'olam. Écoutez bien les mots que je dis. Écoutez bien ce que je dis. Il n'y a pas un être humain dans ce monde qui n'a pas des qualités que personne d'autre dans le monde a. Écoute-moi bien, ça fait froid dans le dos. Écoute-moi bien. Eric, je te regarde. En vérité, tu as des qualités, toi? Que personne dans le monde a. Alors, je t'explique. Richard, si tu avais les qualités, et si quelqu'un d'autre avait les mêmes qualités que toi, écoute-moi bien, c'est impossible que deux personnes dans le monde ont les mêmes qualités et vivent dans ce monde. Voilà. Ça, c'est la Torah, vous allez le voir tout de suite. Traduction du monde. Hé, traduction des mots. Gérard, traduction des mots. On est des... Vous savez par qui on a été créé? On a été créé par le plus grand. Par le plus grand couturier du monde. On est des pièces uniques. Par le plus grand créateur du monde. On est une pièce unique. Ah ben non, toi qui baisse ta tête. Toi qui as honte. Toi qui as peur. Toi qui te dis, est-ce que Dieu est avec moi? T'es une pièce unique de Dieu. Et il dit... Et là, chez Adaïm, il te dit, il faut beaucoup être aidé par des personnes qui t'apprendront ça. Être aidé, que tu es quelqu'un d'unique, et que toi, il y a Dieu qui t'attend, qu'il a besoin de toi, vous allez le voir tout de suite. Aderech, il te dit, Aderech ha-yechida, shenatzliach la-gi'a ba-la-ava, le-ov d'atzmenu. Il te dit, parce qu'en vérité, si ça s'arrêtait que ça, Richard, si ça s'arrêtait qu'à ça, que quelqu'un ne s'aime pas, tant mieux. Mais il te dit, Léo va être sauvé vim otanu. Tu ne peux pas aimer les autres si tu t'aimes pas toi-même. Tu comprends pas, tu peux avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans. T'as passé une vie, t'es incapable d'aimer les autres. Maintenant, je vais te dire une chose. C'est pas ta faute, mais c'est ta faute aussi. Parce que t'as pas réussi à te débarrasser de cette maladie qu'on t'a fait rentrer quand t'étais jeune et qu'on t'a pas donné cet amour et qu'on t'a pas appris à t'aimer toi-même. Et aujourd'hui, t'arrives pas à aimer ton mari, t'arrives pas à aimer ta femme, t'arrives pas à aimer tes enfants, t'arrives à aimer rien. Une drôle de vie. Il te dit, et en vérité,
Celui qui prendrait ce... Tu sais, des fois, quand tu es sur le bord du précipice, prends, on t'envoie une petite corde. Il n'a pas envie de la prendre. Mais prends la corde! Si tu prends pas la corde, tu vas tomber. Et te dis, c'est la quoi? Tu sais, c'est quoi la corde d'un être humain quand ça va pas dans des moments comme ça? Aïmouna. Vous allez voir que ça veut dire Aïmouna. Parce que c'est Aïmouna, Aïmouna. Ouais, c'est facile de dire Aïmouna. Qu'est-ce que ça veut dire Aïmouna? Il te dit, la da'atchiyesh bore, la olam, il dit, de savoir qu'il y a un créateur, tout le monde le sait. Partagez-moi ce cours, j'en supplie. Mais il te dit, mais de le connaître, savoir qu'il existe. Ouais, bien sûr qu'il y a Dieu dans le monde, mais pas le rapport. Mais de le connaître vraiment, pas beaucoup de personnes le connaissent. Il te dit que ha'emuna bebore olam, en vérité la vraie emuna, c'est d'apprendre à connaître Dieu dans ce monde. Qu'est-ce que ça veut dire de le connaître? Ça veut dire quoi de le connaître? Il dit, prenez une décision dans vos têtes. Est-ce que Dieu il est bon ou il est mauvais? Je sais pas. Il te dit, oui, c'est facile de dire, monsieur le rabbin, qu'il est bon Dieu, mais moi je peux vous dire une chose, hein, il n'a pas été très bon avec moi. Hein. La famille que j'ai eue, les parents que j'ai eus, les frères et les sœurs que j'ai eus, le mariage que j'ai eu, le divorce que j'ai eu, toute ma vie, khlat. Alors il te dit la chose suivante. Aïma ouvda, shenonadnu le mishpacha shelanu bimikre, ou shiyesh bazei yad mikuvenet. Est-ce que le fait qu'on a grandi et qu'on a vécu dans telle et telle famille, avec tel et tel parent, c'est le fruit du hasard ou c'est, il y a une main qui dirige ça? Ah, tu dis, quelle main qui dirige? Je veux dire, il n'y a rien qui dirige. Hein. Je suis arrivé chez des parents, des fous, des malades mentaux, pas les miens, ras de shalom, hein, des malades mentaux. Je suis arrivé chez un père qui m'a abandonné. Je suis arrivé chez une mère qui était folle. Comment tu veux me dire à moi que c'est pas le fruit du hasard? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il te dit, raka emuna. Celui qui fait rentrer dans son sang de la emuna, il comprendra que quoi? Elle lui ramènera une nouvelle vie, une nouvelle force. Pourquoi? Quel est le rapport avec la Emouna? J'ai pas compris. J'ai eu des parents tordus, j'ai eu ça dans ma vie. Qu'est-ce que tu me fais rentrer maintenant la Emouna? Il te dit, les rabbis m'étanou. Écoutez bien, regardez où il va nous faire rentrer, dans quel tunnel. Énorme. Beaucoup, pour beaucoup de personnes. On a une colère qui nous habite toute la vie. Alaourim, sur les parents qu'on a eus. Je peux dire une chose? Je peux dire une chose, Béhémet. Les détraqués mentaux, faites un chesed, ne vous mariez pas. Les détraqués mentaux, pourquoi vous allez vous marier? Qu'est-ce qu'ils ont fait les âmes de ces enfants de venir dans ce monde chez des détraqués mentaux, des fous, des malades, des gens qui rentrent dans des colères de fous, des gens qui parlent comme des animaux, des gens qui se conduisent comme des animaux? N'amenez pas des enfants. Les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tu sais pourquoi? Parce que ces enfants, un jour, ils traîneront. Le drame de cette vie qu'ils ont vécue quand ils étaient petits, quand ils avaient 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, de ce qu'ils ont vu dans cette maison. Et là, il dit une chose. Adam amale bekaas, kashe lo lirot at advarim atovim. Parce que quelqu'un qui est dans une grande colère de sa vie, de ce qu'il a passé dans sa vie, c'est dur pour lui de voir les bonnes choses de la vie. D'ailleurs, tout ce qu'il verra dans sa vie, son mécanisme va le traduire en quelque chose de mauvais. Il va voir quelqu'un qui lui sourit, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi il me sourit? Il va voir quelqu'un qui est gentil avec lui, qu'est-ce qu'il va lui dire? Pourquoi il est gentil avec moi? Qu'est-ce qu'il me veut? Méfiance des autres, renfermement sur soi-même, dégradation de sa personnalité. Parce que tu sais pourquoi? Parce que tu as subi tout ce que tu as subi. Ou l'être ça arrive nous. Il te dit, combien de personnes qui n'arrivent pas à arrêter leur vie un beau matin et se dire, c'est ce que je fais? Je vais effacer le disque dur. Mais comment je vais effacer le disque dur de ma vie pour repartir sur une autre vie? Comment je vais faire moi? Et il dit une chose. Regardez, quand on parle de Imuna, combien ça peut nous aider? Il dit comme ça. Aïm pa'am sha'anu tatsmenu. Allez, voilà. Je termine avec ces mots. Parce qu'il a dit que tout ça pourrait se guérir avec la Imuna. La Imuna, ça veut dire quoi? Il te dit, est-ce que tu t'es posé une fois une question? Qui a choisi mon parcours de vie? Ben pour nous, c'est un hasard. Tu nais, tu te lèves, un jour tu arrives à l'âge de 5-6 ans, tu vois que tu as des parents des fous, ou des parents très gentils. Et qui a choisi? Il te dit, qui? Viens, pose-toi la vraie question, qui? Parce que toi tu dis, oui, il y a Dieu, tu vas laisser faire Torah, tu embrasses. Tu mets les tefillines, tu fais ton Shabbat, c'est bien beau. Je te pose une vraie question, la vraie question de la vie. Qui a choisi ta vie? C'est le hasard? Et il dit,
les mots de Rabbeinu Bachyeh. Rabbeinu Bachyeh était l'élève du Rashba en 1200. Un Rishon, presque l'époque de Rashi. Rabbeinu Bachyeh ben Pakuda. Il dit dans Devarim, Kavbet, dans son livre, il dit « Qui colle, écoutez bien, ça fait froid dans le dos. » Quand tu lis ça, tu te dis « Alors, ah bon, je savais pas ça. » « Qui colle à Nivraim Kulam, toutes les créatures de ce monde, Nivré ou Bechefzam ou Birtsonam. » Ils ont été créés parce que quand on leur a demandé de descendre dans ce monde, ils ont accepté. Toutes les créatures de ce monde en haut, avant de descendre, ils ont accepté de venir. Mais attendez. Via Kadosh Baruch Hu, quand Dieu leur a dit « Vous voulez descendre ? Voilà votre mission dans ce monde. » Mais alors attendez, Dieu dit, regarde, je vais te mettre devant toi la panoplie de ton corps, de ton physique, de ta force, de ta parnassa, de ta femme, de ton mari, de tes enfants. Et il dit, d'Akadosh Baruch Hu di'am, Pereshit Abriya, au moment de la création de cet homme, Dieu ou de cette femme, Dieu lui a dit, Kol inyanehem kulam, voilà comment tu vas être. En vérité, avant de descendre, Dieu m'a dit à mon âme, tu vas descendre pour faire cette mission. Et voilà comment je vais te créer. Et voilà le corps que je vais te donner, voilà les parents que je vais te donner. Parce que tout ça fait partie, hein, tu comprends Neshama, parce que tout ça fait partie pour que tu arrives à ton but. Et toi Neshama, quand tu étais en haut, qu'est-ce que t'as dit? Vous allez le voir tout de suite. Vechol amikrim atidim lavolem. Tu pleures quand tu lis ces mots du Rabbeinu Bachyeh ben Pakuda, un des plus grands maîtres que nous avons eu chez nous, dans notre peuple. Il dit, et on va aussi te raconter tout ce qui va t'arriver dans ta vie. Ceux qui se sont mariés, ceux qui ont perdu leur femme, ceux qui ont perdu leur mari, ceux qui ont perdu des enfants jeunes, on va tout te montrer. Et on va te dire, voilà, ça fait partie de du programme de ton âme. Vechen odiam. Ah, tout ça c'est dans le ciel. Les mots de Rabbeinu Bachyeh, c'est que tous les Nivraim, toutes les créatures de ce monde, avant de venir, on leur a expliqué leur projet. Et il dit, on a annoncé à l'âme le temps de sa vie. On a annoncé à l'âme le temps de sa vie. Le jour où il va mourir. Et de quelle façon il va mourir. Vehakol. Écoute-moi bien ce qu'il dit Rabbeinu Bachyeh. Ce Rabbeinu Bachyeh, tu peux le dire au monde entier. Eh, tellement que je n'ai pas cru qu'il a pu dire une chose pareille. Ça, c'est le Rav qui ramène ce Rabbeinu Bachyeh. Que je suis parti chercher le livre de Rabbeinu Bachyeh. Je dis, c'est pas possible qu'il a pu dire une chose pareille, c'est trop. J'ai retrouvé les mamans. Hein. Il a Chas v'Shalom, le Rav ne s'est pas trompé. Et il dit, la fin, Ve'akol ratzu v'kiblou. Et toutes les âmes, toutes, s'il y en avait une qui n'avait pas accepté, elle ne serait pas descendue dans ce monde. Et toutes les créatures de ce monde ont validé tout ce que je viens de dire. Et après, elles sont descendues. Dieu leur a dit, Beracha ve'atzlacha. Allez-y. Ils ont vu tout le film. Hein? Ils ont vu tout le film alors. C'est la folie. C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman de Breslev, que les épreuves de ta vie, les péripéties de ta vie, tout, c'est déjà écrit. La Bechira, le libre arbitre, il est sur quoi? Comment est-ce que tu vas les aborder? C'est tout. Mais tout est écrit. Je répète les derniers mots. Ve'akol, et tous. Ratsu, ils ont dit ok, ils ont accepté. Vekiblou, ils ont reçu sur eux ce que Dieu il a dit. Donc Dieu il lui a dit, tu vivras 25 ans dans ce monde, pas plus. T'auras ça, deux secondes. T'auras ça. Tu es venu dans ce, tu vas retourner dans ce monde pour accomplir cette mission. On va te donner que 25 ans. On va te donner des handicaps. On va te donner ça. Et l'âme qui connaît sa vie. La vie de l'âme, elle la connaît. Elle sait qu'elle doit revenir dans ce monde avec ça. Elle accepte. Et elle dit à Dieu, ok. Mais on peut changer de descente. Non. On peut changer une partie des choses. Certainement. Quand l'âme, elle descend, tu l'as oublié, elle ne sait pas tout ça. Si, elle sait. Non, elle ne sait pas. Si, parce que ta plus grande appréhension, c'est ta plus grande peur, elle te demandera. Toi maintenant, tu dis ça, tu dis ok. Donc ça veut dire qu'en vérité, quoi, les parents que j'ai eus, la famille que j'ai eue, les problèmes de ma vie que j'ai eu, mon adolescence que j'ai eue, tout ça, ça avait été... Oui. Ah. Et moi, que jusqu'à maintenant, j'en voulais à mort
Ah, celui-là, c'est là, c'est là. Vas-y, vas-y, détends-toi, détends-toi. Tu es le fils de Dieu. Il t'a convoqué, il s'est mis seul avec toi. Il t'a expliqué ce qui va t'arriver. Si tu avais dit non, tu ne serais pas venu dans ce monde. Tu as dit oui. Voilà, terminé. Ben, c'est ça. Non mais, Gérard, c'est la folie. C'est la folie, tu dis ça, c'est la folie. Convocation chez Dieu, explication de ce qui va t'arriver, si tu veux descendre ou non. Il n'y en a pas un qui n'a pas dit, ah non, je ne vais pas. Et on lui a dit, hey, quand même, tu t'en vas. Descends. Il n'y a pas. Il n'y a pas eu ça. C'est la folie. Incroyable. Je termine. Je termine les paroles de Raphaïm Vital. Vous connaissez Raphaïm Vital? C'est de qui? L'élève du qui? Du Ari HaKadosh, du Arizal. Il dit le Raphaïm Vital dans son livre Etzraïm. En le chayom shedome le chaviro, en beria doma le chavirta, vechol anivraim kulam le tzorer gavoa, ki en yenikat kulam shava, aflotikun kulam shave. Traduis les mots. Comme il n'y a pas un jour qui ressemble à l'autre, il n'y aura jamais deux êtres humains qui se ressemblent. Car nous tous, nous avons été créés pour un besoin spécifique, c'est d'illuminer la lumière de Dieu dans ce monde. Et la lumière, elle a beaucoup de couleurs et elle a beaucoup de facettes et chacun, il a sa facette. Et c'est pour cela qu'Éric, n'essaye pas dans ta tête de faire ressembler quelqu'un comme toi, il ne ressemblera pas à toi. Ça n'existe pas. Je peux te dire un mot, tu es unique. Maintenant, toi, tu te lèves un bon matin, tu dis, oh là là, quelle vie que j'ai eue, maman. Et puis, d'un autre côté, qu'est-ce que tu te dis? Et d'un autre côté, qu'est-ce que tu te dis? Je n'ai pas une vie unique, je suis unique. C'est pas seulement je suis unique, je suis le fils de Dieu. Pas seulement que je suis le fils de Dieu. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, je l'ai validé. Et là, tu arrêtes de sortir de la victimisation. Le poids que Dieu t'a donné, tu as un peu de poids. C'est ce que Dieu y veut. Tu le savais, tu l'avais vu. Et tu l'avais accepté. Pourquoi? Si tu n'avais pas ce poids, tu aurais dévié complètement de ta mission. L'autre, pourquoi j'ai pas l'argent de l'autre? Purée, combien il en a? Combien il met? Combien il en a? Et moi, je dois galérer pour aller gagner ma vie. Tais-toi. Chut. Tu l'as accepté. Tu l'as validé. Et Gérard, tu as dit oui. Le type, il rentre à la maison. Oh là là. Qu'est-ce que je fais avec ce mari? Qu'est-ce que je fais avec cette femme? Après, je vois ces gens préparer le Shabbat. J'ai envie de leur dire, mais qui c'est qui a besoin de votre Shabbat? Mais qui c'est qui a besoin de votre prière? Mais qui c'est qui a besoin de vos téphilines? Quand la Emouna, la vraie de base, tu l'as pas. Laquelle? Tu te lèves le matin, t'es joyeux. Joyeux de quoi? Maman, quelle vie que j'ai eue, quelle vie que j'ai, quelle vie que j'aurai. Maman, maman. Non, pas maman. C'est la vie que Dieu veut. C'est la vie que j'ai validée. C'est que je ressemble à aucun dans le monde. J'avais un projet, moi, avec Dieu divin, le seul, l'unique, comme je suis. C'est comme ça que je dois être. La vie que j'ai eue, c'est celle-là que je dois avoir. La personne avec qui je vis, c'est celle-là que je dois avoir. Les enfants que j'ai, c'est ce que je dois avoir. Et moi, simplement, dans tout ça, j'ai une béhira, un libre arbitre, qui s'appelle comment j'aborde cette vie, où je me laisse mourir. Où je me laisse, tu sais quoi, il y a des gens, tu les vois, ils ont une haine dans le visage. Ni souris, ni rien. Ils sont hargneux. Il y avait... Alors, allez, j'ai rencontré un. Je ne vous dis pas quand et comment, parce qu'il ne faut pas que je le dise. Je l'ai observé pendant 20 minutes. J'ai eu envie de mourir. Un monsieur de 50 ans. Avec une rage. Une haine. Il regardait les gens avec une haine. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit, quelle vie qu'il a dû mener. Leicester, c'est quoi ça? Pour en arriver là. En arriver là. T'es même pas épanoui, mais va-t'en de ce monde, va. Tu te feras plaisir à toi et tu feras plaisir à... Oh, mais vous avez pas honte. Ah oui, et le mec, il est là, il met les tefillines. Ah oui, il rate jamais aucune prière. Il fait son Shabbat, il fait ça, il fait ses... Ah, ben on rachète, j'ai rien sur ça. Mais lui, il est sûr que c'est ça, la Emouna. La Emouna d'abord. C'est l'acceptation de cette idée fondamentale. Ce que je suis, ce qui m'arrive, ce qui m'arrivera et ce qui m'est arrivé faisait partie du projet de qui? De Dieu. Et de là, il y a des ramifications qui sortiront. C'est quoi?
c'est que la haine que je peux avoir sur les autres, c'est que les rancœurs que je peux avoir sur les autres, que c'est que tout ce que je peux avoir sur les autres, bah disparaissent, puisque ça vient pas des autres, ça vient de qui? Ça vient de Dieu. Ah. Moi, j'aime pas trop ça. Hein. Parce que j'ai envie, il y a un que j'ai envie de le bomber, je dois me venger, je dois le tuer. Voilà, voilà, voilà. Après, tu me parles de Emouna. Après, tu me parles de Emouna. C'est ce qu'il dit, le Rav. Il y a beaucoup de gens qui connaissent Dieu, mais il y a beaucoup de gens, pas qui connaissent, il y a beaucoup de gens qui savent que Dieu existe, mais il y a très peu de personnes qui le connaissent. J'ai à peine touché à une idée. Je ne suis même pas rentré dans l'idée, j'ai à peine touché à une idée. Mais tout ça, c'est venu de quel mot? Bani, Matem, Lachem, Elokechem. Mais Dieu, il te dit dans la paracha de cette semaine, tu es mon fils. Tu es mon fils. Rien à faire. Tu es mon fils, on a un projet. On l'a commencé ensemble avant ta venue dans ce monde et on va la terminer le jour de ton départ de ce monde. Ouais, ouais mon pote. Alors reste tranquille, il t'aime. Comme tu es, il t'aime. Même un papa, mais un papa aussi, il t'aime. Hé, hey, on fait des conneries, on fait des bêtises, on fait des machins, on fait des là. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous aime, reste à côté de lui. Reste. Tu sais pourquoi tu pourras pas. De toute façon, tu pourras pas te séparer de lui. C'est métaphysique. Comme on l'a vu dans l'histoire de ce juge-là. C'est métaphysique. Ça dépasse l'entendement. Le lien entre un fils et un père, ça dépasse l'entendement. Tu comprends ça? T'as compris ça? Tu es bien ce matin? Comment je suis? Moi, je ne sais pas comment je suis physiquement, je m'en fiche. C'est ce que Dieu il a voulu, c'est comme ça. La femme qui m'a donné, le mari qui m'a donné tout, Todaraba Borolam, Todaraba Kadosh Baruch Hu, Toda Kadosh Baruch Hu. Je sais qu'il n'y a pas d'erreur dans ce monde, Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'erreur dans ce monde. Ça, c'est la Emouna. Et tout le reste, c'est du pipeau. Ça, c'est la Emouna. Je vous. Eh, hey, Gérard, qu'est-ce qu'il a fait que. Eh, Sam, qu'est-ce qu'il a fait que vers mon âge, j'arrive ici et on se rencontre alors que. Eh, hey, on s'est jamais rencontré. Hervé! On s'est jamais rencontré. Qu'est-ce qu'il a fait que. Toi, tu sais pas que tout ça, c'était déjà marqué? Non, mais c'était marqué. Dieu, il a dit. Tu arriveras vers 50 et quelques, tu vas te retrouver en Israël, tu devras t'occuper de Richard, tu devras t'occuper de Hervé, tu devras t'occuper de Gérard, tu devras t'occuper de Georges, tu devras t'occuper de. Qui c'est ceux-là? Tu les connais pas? C'est pas grave, t'inquiète pas, moi je t'amène dans ta vie, moi je t'amène à tout, moi je t'amène à tout, il n'y a pas d'erreur, moi je t'amène à tout. Ça, tu viens avec cette idée, je te jure, t'as la pêche. C'est pourquoi t'as la pêche? Aucun regret. Comme je suis. Après, il y a bien sûr une idée de. Progresser dans la vie, mais comme je suis, la vie que j'ai eue, tout, écoute-moi bien, c'est moi qui l'ai validé avant de descendre dans ce monde. On appelle ça la Emouna, le mari que tu as, la femme que tu as, les enfants que tu as, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, moi, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, t'as rien fait au bon Dieu. Dieu, il a dit, pour ton âme, c'est ça qu'il doit avoir dans cette vie, t'as validé avant de venir ici, de quoi tu parles? Vous savez comment on appelle ça? On appelle ça la Torah, on appelle ça Dieu. Allez, circulez, il n'y a rien à voir. Il n'y a que ça. Partagez-moi ce cours, je vous en prie. Todaraba, Borea Olam, Todaraba.